Compatriotes haïtiens qui écoutent nous là, dans tout le pays et dans le 10e département, c'est avec un pile d'émotion qui nous oblige à prendre la parole jeudi suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse. En tout premier lieu, nous présenter toutes condoléances. Nos condoléances les plus sincères à madame, à petite. Madame qui couchait l'hôpital Miami, nous souhaitait un prompt rétablissement. Nous partageons peine ça à tout avec chaque grain haïtien. Jovenel Moïse tombé comme président, mais dans la circonstance, dans la façon qu'il tombe à, nous croyons que chaque grain haïtien que il a touché. Moi, je souhaite que tout haïtien, de quelque chapelle politique qu'il y appartenait, quel que soit côté lié sur le territoire là, surtout les paysans, on a commencé à préparer nous pour nous rendre un gros hommage à Jovenel Moïse dans le funérail bientôt. Depuis le funérail là, on dit que la mort ça est capable de permettre nous unir nous. La mort ça est capable de permettre nous ressaisir nous. La mort ça est capable de permettre nous réconcilier avec tête nous. Toute communauté internationale là partage sympathie yo, peine yo, tristesse yo, depuis Vatican en passant par le Canada, Washington, l'Europe avec peuple haïtien, avec famille Jovenel Moïse. M'a profité pour mande yo pour mettre tête ensemble pour que une grosse enquête internationale, une enquête internationale capable de faire lumière tout bon sous la mort ça. Mande communauté internationale là pour que yo ouvri une enquête internationale sous la mort Jovenel Moïse. Ça nous est, c'est pas ça. Ça nous tendait, c'est pas ça. Le président a été livré. Le président Jovenel Moïse a été livré le 7 juillet 2021. Qui est-ce qui est capable de livrer le président? C'est le monde qui a bal sécurité. Comment pour moun kap bay sécurité yo ka livré président faut que yo recevoir l'ordre faut que yo recevoir instruction de peut-être supérieur hiérarchique immédiat mais gen instruction politique qui bay tout pour livrer président parrain président livré le parrain président livré le 7 juillet. Comment qu'on est capable d'expliquer une telle tragédie? Avant d'arriver ce Jovenel Moïse lui-même qui pas vivant encore c'est mort, mais pour la première fois il a questionné mort, il a parlé de mort, de cadavre là. C'est une la mort qui portait une haine sociale, une intolérance. C'est ça la mort portait. Ce n'est pas le peuple haïtien qui n'est pas d'accord avec Jovenel Moïse qui le prend dans le palais. C'est les fils de Rochambeau, les flibustiers qui payaient des mercenaires avec les collabos, les politicards, pour assassiner Jovenel Moïse Lacaille. Pour humilier le peuple haïtien, pour humilier Bossalio. Parce que Jovenel Moïse, c'est un petit bout sale, peut-être intrigant des ordres que vous n'avez jamais accepté. Mais Jovenel Moïse payait contradiction.
Contradiction politique pays. Jovenel Moïse paye tout. Mission li, malgré pas de l'état encore, mais il était passé à côté. C'est le prix de l'insécurité, de la criminalité, de l'impunité. Parce que je me suis toujours dit, président, pas de l'état, il faut que nous recommençons à reconstruire l'état. Dans le moment où Jovenel Moïse mourir, c'est énième haïtien qui mourit. Donc il y a des haïtiens. Le pays a été déjà en deuil. Parce que nous-mêmes qui dans l'État, n'avons pas fait travail. Nous sommes passés à côté de mission. Nous. Conséquence arrivée dans la chambre Jovenel Moïse. A fait justice dans le pays ça, a fait sécurité dans le pays ça. L'homme on a parlé de ça. Parfois on passe on a tenté au jour fou. Institution n'ont pas de fonctionner encore. La police est écrasée tout bon. Et t'es rien tendance ni côté politique ni côté flibustier pour remplacer la police par des chefs de gang. Chef de gang, il fait la loi dans le pays. Et chef de gang, il arrive dans la chambre du président Jovenel. C'est le prix de l'impunité. Il y a un ancien sénateur qui t'a annoncé qu'il a mangé, il a tué Jovenel Moïse. Mais si Jacques Roche te gagne, justice, Don Kato, pas t'a capable d'annoncer la mort de Jovenel Moïse. Si Jacques Roche te gagne justice, si Jean-Dominique te gagne justice, si Timoun Nassaligno te gagne justice, Reginald Boulos pas t'a capable d'annoncer assassinat de Jovenel Moïse. Si te gagne commission de vérité, j'aime de toujours demander président depuis 5 ans, Dimitri Vob pas t'a capable d'annoncer la mort de Jovenel Moïse. Et si le président a eu le courage tout bon pour au moins amorcer le procès de Petro-Caribé, pas rien ni pas de calivre. Je dis à ce moment-là, nous y sommes. Nous avons payé, peut-être ça nous fait. Mais crime, ça, c'est leçon pour nous tirer de lui-même. Ce n'est pas bataille pour nous continuer bataille avec tête. Nous. C'est un crime qui s'est conséquence. C'est énième crime, parce qu'il faut nous parler de tout ça que fait. Mais ça, c'est un président de la République qui a des flibustiers payés pour aller prendre un président, assassiner, humilier, dégrader dans la chambre de la caille. Mais c'est d'ailleurs une double garantie. Première garantie, mercenaire était gagné, il était pas garanti que moun soi-disant qu'a ba président en sécurité pas même garder yo. Et il a recevoir un dernier message. Et sur toute vidéo nous voit comment effectivement yo ba message là. Il était gagné l'autre garantie. Il dit peuple haïtien pas vouloir Jovenel Moïse, les nous fin tuer. Nous mettons le peuple pour la rue, c'est la fête. C'est ça que fait Bandio, je dis à nommer la police. Je t'ai préparé pour y aller dans la fête populaire. C'est deux garanties ça, mais c'est n'est pas. Au Dieu Jovenel, pas de monde qui va parler pour Jovenel. Tout le monde veut débarrasser de Jovenel, nous pas besoin de problème. Après nous finissons assassiner, rit dans la fête là. Rit dans le carnaval, pas le carnaval pour tout le monde. Alors, bon Dieu était là. Bon Dieu était là. Ça qui fait là, peuple haïtien, génération, ça n'est pas habitué avec ça. Non, n'est pas habitué avec ça. Peuple haïtien habitué avec contestation, avec révolte, marcher devant le palais, mobiliser pour voir le président aller. Génération, ça, c'est ça le connaît.
Mais entrer la caillou président, dégrader, humilier, assassiner, parce que c'est un petit beau sale, nous pas au proche rien, nous pas habitués à ça. Nous pas en Syrie, nous pas habitués à ça. Nous pas en Liban, nous pas habitués à ça. Pas passer par quatre chemins pour être auteur intellectuel. Moun qui commandité, moun qui paye, moun qui exécute. Moun qui permet que infiltration, pénétration en fait jusqu'à ce que vous arrivez dans la chambre président. Nous tous connaissons. Président responsable tout, cadavre la responsable. Président te connaît moun qui livre la tenue trafic zam. Zam sa ou tue en pile haïtien. Jusqu'à ce qu'il tue président. Nous te connaît dit président, moun qui fait trafic zam, trafic munitions, c'est la kaeli moun sa oui. Président te têtu, nous tous te connaît ça. C'est zam qui sorti dans l'entourage président qui tue président. Ce n'est pas l'autre monde. Le président a été livré. Le président a été livré. Devant la situation, c'est encore une fois, maintenant des peuples haïtiens. Donc, dit tout ça, nous voulons des Jovenel. Nous sommes capables d'exagérer. Là, nous avons parlé des Jovenel. Jovenel, tu as le courage. Pour te toucher. Maintenant, tout le monde qui t'a assassiné des Salines. Groupe social qui t'a assassiné des Salines. Groupe social ça, qui a pratiqué une politique d'apartheid en Haïti. Jovenel t'a touché du doigt. Il t'a dit où? Dimanche, la pour dans lundi de dimanche, il répétait 7 nous au banc moins. Nous tous connaissons, il répétait pas tout le monde. Mais sauf que le pas connaît si parrain ni t'es dans quoi ou bien t'es lâche tout le pas connaît si il pas de courage assez comme être humain pour dire parrain ni là tout c'est même eux même pour l'argent pour pouvoir depuis quelques années yo bay groupe peuple azam pour yon tuer l'autre et pour tuer peuple haïtien pour détruire ti économie haïtienne dans les classes moyennes. Depuis quelques années, c'est ça qu'on fait. Depuis quelques années, il y a des politiques. Comme les politiciens. Politiques, politiciens. Les collabos. Nos politiciens. Ce n'est pas seulement de l'opposition, du pouvoir et de l'opposition. Je dis à fond, nous, éclair, peuple haïtien. Ça passe. Jovenel, dans la contradiction, il fait nous éclair. C'est ça pour nous retenir. Non, ça passe. Dans la contradiction que le tape bien, il fait nous éclair. Mais ennemi nous. Je dis à nous qu'on est ennemi nous. Est-ce que Jovenel a de justice? Souhaitons-le. Mais nous connaissons. C'est pas ça. Ça pas dans la tradition nous. Ça pas dans la tradition nous. Et si nous sommes habitués à la justice, et si Jovenel a fait assez pour faire justice, peut-être que nous n'avons pas arrivé dans la chambre. C'est pas non seulement Jovenel pas de bail sécurité, il pas de bail tête de sécurité tout. Il te comprend parrain ni tes responsable sécurité. Il te toujours comprend parrain ni tes responsable sécurité. Il paye sa chair. Encore une fois, on profite de l'occasion ça. Pour me dire nous ça qu'a fait là en Haïti jusqu'à présent, c'est pas politique lié. Nous tuer politique là déjà. Nous tuer politique là déjà, la mort Jovenel, c'est conséquence là. Tout le monde qui mourit avant Jovenel, c'est conséquence là. Et il y a l'autre bagaille qui va le passer encore. Maman des peuples là, pour être tête frette, pour aider dans la prière, famille Jovenel Moïse, pour le prendre courage à deux mains tout. Puis elle mettait Jovenel Moïse dans la dernière demeure. Et pour nous tirer les leçons de contradiction, Jovenel Moïse, pour nous capables de construire le pays. Je dis merci.
Jean-Gabriel Fortuné, vous parlez de parrain dans le même choix. De qui est-ce que vous voulez faire allusion exactement et qui sort déjà plus loin qui est arrivé encore dans le pays? Je ne vais pas retourner sur la question parrain, mais ce qui est arrivé encore dans le pays, c'est que je dis à nous, un pays par institution. Nous avons un pays qui n'a pas aucun monde qui dirige. Pas de président de la République, pas de président de la Cour de cassation, pas de président de l'Assemblée nationale. Tout reste monde en bas, dans le deuxième niveau, ils ont tout haï. Et vous venez avec un bail nouveau là, il y a un premier ministre qui a rentré, porte pas ouvrir, il y a un premier ministre qui a sorti, porte pas ouvrir. Jovenel Moïse. C'est dans ce qui est là. Donc, toutes conditions réunies pour voisins, grand voisin dit, bon, là, mettez un peu la paix. Pendant cet homme a souhaité, 10 sénateurs qui là, avec les juges de la Cour de cassation, ils ont réuni rapide au presto, non seulement pour funérailles, président mérité funérailles, gros funérailles, mais maintenant pour faire des propositions dans le cadre des dernières recommandations de l'OEA pour limiter les dégâts. Mais là, on parlait du grand voisin, pour dire, ajoutons l'autre encore, en plus de Paris, là. Non, grand voisin, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis, elle est déjà là. Même dit cette fois-ci, au moins, pas faire maounage. Pas faire maounage. Pas faire maounage dans le micro conduit nous. En Chita. En Chita. Non, on ne compte pas, nous, tout est dans le baptême. Ancien magistrat, non problème, ça veut dire que. Le président a été livré. Nous tous là, nous connaissons dans l'école. Oui, mais livré par qui? Hein? Par qui? Non, mais nous tous connaissons, le président a été livré. Et les gens qui t'a gardé, qui t'a pas président de sécurité, il y a des gens sous tête. Les gens qui sous tête, les mêmes. Ils recevaient l'ordre, ils recevaient l'instruction. Ils n'ont pas livré le président de son propre chef. Non, mais là, je pense que le mort président Jovenel t'a supposé servir de balise pour faire à ce que nous suspendions faire dans le bain tout tourné dans le cachet de l'ombrique. Vous avez dit à l'heure que 7 noms président Jovenel t'es bon ou pas dit qu'il non? Non. Je suis le plus important. Je suis le deux plus importants qui étaient dans la lutte ouverte avec le président. Qui est sûr? C'est Dimitri Vob, c'est Reginald Boulos. Et Reginald Boulos, pas de jambes cachées que mon cher Jovenel l'a examiné. Dimitri Vob, pas de jambes cachées ça. Et son porte-parole qui dit, par peut-être ignorance qu'elle s'effraie, et Dimitri Vob, le sénateur, malheureusement sénateur, Don Kato, hein, il a parlé là, je vous dis, elle t'a annoncé ça. Mais encore, c'est, tout ça, c'est l'impunité. Tout ça, c'est l'impunité. Hein? Tout ça, c'est l'impunité. Don Kato, dit président ça. Dit président, il faut faire une commission de vérité pour que la peine dans le pays. Tout le monde qui liquide l'entreprise de l'État, tout le monde qui est dans la contrebande, tout le monde qui est dans le trafic d'armes, munitions, le président est contre tout. Naturellement, c'est un être humain. Il a eu le courage seulement pour le dénoncer quelques-uns, mais il n'est pas capable de faire le bon coup. Le bon coup, jusqu'à aujourd'hui, c'est la commission de vérité. La commission de vérité, elle va permettre que nous comptons qui est ce qui conduit nous là. Nous fixer les responsabilités, et puis après, nous faisons la réconciliation nationale. Il faut arriver à réconcilier tête nous. Mais le système d'apartheid, là, il traite nous comme petits esclaves. Malheureusement, la misère fait que nous paquet de jeunes intellectuels, ou bien des jeunes garçons, des jeunes filles, hein, qui contribuent à enterrer le dossier de Petro-Caribé. Le dossier, ça a contribué à tuer Jovenel tout, parce qu'il n'y a pas de bail justice dans Petro-Caribé. Ok. Donc, je dis à c'est ça. C'est nos contradictions. Mais il faut tirer le son de la mort, président. Et ce n'est pas le moment, cadavre là toujours, pour nous commencer avec des polémiques, c'est sous président m'a fini, que lutte là pour continuer. Parce que tout ce que tu t'es dit, nous allons avec mes racines profondes. Dessalines t'es dit, et nous-mêmes qui sommes en Afrique là, si nous ne pas gagner, donc je dis à nous conscients de ça. Le système d'apartheid là pour finir bientôt. Et maintenant, on y a le jeudi, ce moment pour nous commencer à ressaisir nous, pour nous préparer maintenant les funérailles du président. Et ensuite, nous tous élever la voix nous pour nous dire blanc, communauté internationale là, pas de justice en Haïti, où tu es comme ça longtemps, aidez-nous faire lumière
sur ce qui s'est passé. C'est ça, une enquête internationale. Je vous en remercie. Avant d'aller, avant le magistrat, moi je suppose qu'on a le cas président. Est-ce que c'est facile pour ça, pour l'équipe de négocier le cas président, de qu'on a rentré dans sa vente, de qu'on a rentré dans le vulgaire caille? Le président a été livré. Là, moi-même, je ne suis pas le cas président, vous voyez, je ne suis pas le cas président n'importe comment. C'est même nec ça, vous dites, non, attends, il faut me le président pour me dire qu'il est là. Dans plusieurs postes, le président a été livré. Merci beaucoup.